prédécesseur qui occupait ce siège ici, je peux parler de Claude Leverrier. Nous avons donc appris ce lundi la disparition de Claude Gébert, ancien président du Conseil régional de Nicaragua de 2004 à 2015 et ancien maire de Clermont de 2001 à 2004, à laquelle il a quitté cette fonction pour exercer celle de président de région. Claude Gébert, qui avait 76 ans, est une figure emblématique du paysage politique régional. Il a consacré une grande partie de sa vie à servir les intérêts des habitants de Nicaragua. Il a été, avant d'être maire de Clermont, premier adjoint de 1983 à 2001. Et avant d'être président du conseil régional, il a été conseiller régional de 1998 à 2015. Avec lui, la Picardie a perdu l'un de ses avocats. Président du conseil régional, son mandat restera marqué par sa volonté de faire avancer, de faire reconnaître la Picardie. Il faisait partie des pionniers de l'affirmation du fait régional comme moteur du développement économique dans nos territoires. Je pense tout particulièrement à son engagement pour le développement de la bioéconomie dans notre région, déjà à l'époque en partenariat avec la région Champagne-Ardenne, parce qu'il estimait, comme beaucoup, que c'était un atout pour la croissance et l'attractivité. C'était un homme d'action, et il a su aussi imprimer sa vision au service de la croissance économique et aussi de la cohésion sociale. Son héritage est celui d'un homme qui a mis l'intérêt général au cœur de ses priorités. Un hommage républicain lui sera rendu demain, vendredi 11 octobre à 10h30 dans sa ville de Clermont. Je sais que, comme moi, certains d'entre vous y participeront. Le Conseil régional tient à saluer sa mémoire dans cette salle emblématique où il a si souvent présidé. Et je voudrais exprimer en mon nom et aussi en votre nom nos plus sincères condoléances à son épouse Christine, à sa famille et à ses proches. Et je vous invite à une minute de silence en mémoire de celui qui présida dans ce fauteuil pendant 11 années. Notre conseil régional.